Tac, du coup, troisième repère. Ok, du coup, je vais attaquer la mission principale, je pense. C'est peut-être le moment de continuer, là. Ça, c'est quoi? Ça, trouver le... Mission secondaire, niveau 7, on s'en bat les couilles. Alors, aller au 500... Ouais, d'accord, j'allais dire une connerie. Au centre du cul. Comment j'accède là-bas, moi, en fait? Ouais, tu peux avoir des explications où je dois aller là? Ah ouais, d'accord. Putain, c'est ça. Quand je veux les shooter, j'arrive pas. Quand je veux pas les shooter, je les shoot. Ah, pas comme un petit problème là. Pourquoi j'ai l'impression de me faire enculer là? Bah déjà je suis pas dans la bonne direction, je viens de capter je crois. Ah bah si en fait. Et pourquoi c'est fermé? On va vraiment me faire chier à faire tout le tour. Bah allons faire tout le tour. Changement de décor. Faut que j'arrête de crier, putain, j'ai mal à la gorge encore. De toute façon, je pense que je termine cette mission, après j'arrête. J'ai envie de continuer à regarder ma série, j'ai envie de bouffer un truc. Alors, munitions. C'est pas des munitions, ça, si ta gâchette fait clic, faut que tu remplisses. Je ne suis pas un vrai docteur, mais mes midocs marchent quand même. Pensez bien à le passer sous l'eau. Je me trompe de bouton à chaque fois. Ok. Ouais, j'ai envie de tester. Et faut que je... Des munitions. C'est pas ici que je vais trouver des machines. Ok, du coup, direction. Direction.
ça ou pas? Non, pas du tout. Putain. Putain, mais ils vont me faire aller où là aussi? En vrai, là. Allez, on enchaîne. Tu t'es cassé où toi? Laisse-moi te foutre. Deux coups dans la gueule. Hein. On va tester une autre arme parce que celle-là, je suis pas hyper fan quand ça balance ton arme dans tous les sens aussi là. Ouais, c'est niveau 7. Putain, c'est des bâtards. Ça, c'est quoi? Fusil à pompe. Oh, la tourelle là. On va se calmer là. Wesh, la tourelle là, on en parle là, tu t'es niqué avant là, tu reviens là. Attention, je vais y prendre goût. Votre recette du billard à la broche, Arthur Arluse.
Et la vidéo de la préparation. Incroyable. C'est quoi cette arme de dingue? Ah non, jamais content, moi, jamais. Tu me connais, là. Après, ça m'indique qu'il y a des missions en haut. Je peux monter là-bas? Non, à mon avis, c'est en faisant tout le tour que je réatterris là en bas, d'accord. Allons faire Mimus là-dedans. Ah, des mules. Du pognon, on a toujours besoin. Toi, je vais te libérer, mon frère. Toi, je vais te libérer aussi, mon frère. Voilà, vous êtes tous libérés. Du pognon. Pognon. Ok, il est temps d'accueillir les éclipseurs dans notre famille. On publiera la vidéo plus tard avec une toute nouvelle morning boucherie. Je vous dis à plus. Morning partagez boucherie. Ça va, ils ont pas trop regardé Lucifer, parfait, non? Parfait de notre infaillible reine divine, Tyrene. Le saint centre de diffusion attend de nouveau toutes vos confessions et vos peaux fraîches. Ça, je peux toujours. Grenade max. Ah non, c'est les grenades, ok. Alors, du coup, du fric encore. Allez. D'ailleurs. Bah ouais. Je change pas une équipe qui gagne. Intéressant de ce que j'ai pas assez de sang. Vous êtes au bon endroit. Alors, t'as regardé la dernière saison de Lucifer d'ailleurs? Bien sûr que je l'ai vu, j'ai chialé deux fois. Donc, voilà. J'étais dans mon lit, mon gars, je pleurais comme une madeleine. C'est quoi qui m'a fait mal? Piège. T'arrêtes sur le cul. Je vais me le faire. Fais en colère et hurle. Balance la sauce. Il t'inquiète. Ouais, je le mets là. Oh, Tink. Qu'est-ce qu'on fait là, tiré? Les petits là, ça dégage. Oh, t'as plus de tête. Pauvre petit pote. Pas de fou. Bah, la première fois quand Trixie elle demande à Lucifer de lui dire la vérité par rapport à Adam. Et ensuite, le deuxième, c'est. Quand ils étaient au paradis. Bah, je sais pas, chialer, j'ai juste été. Mais quand Trixie, elle a parlé, putain, ça m'a achevé. Dégage, le sec. J'étais un peu tiré dans le nibar, je suis désolé. Les choses qui arrivent.
J'aime le fric, mais je peux avoir des armes aussi à un moment donné ou... Comment ça se passe? Là, ça pue les pièges encore à plein nez. Ah, ok, en fait, vous voulez me tuer avec de la musique, d'accord. Je comprends mieux. Bonjour, les munitions que j'ai pas besoin, puisque j'en ai besoin, il y en a pas. Ok. On va recharger tout. Ouais, c'est rechargé ça. On a bien plus celui-là. Je suis la meilleure. Vise les prunes. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Tu crois que tu es mon mieux toi? Ça sort dans le final. Oh la pire. Parfait. Ah, un entraînement. Wesh, la tourelle. Le calme. Oh, je vais mourir, je vais mourir. Et on se réveille. Je me sens bien. C'est bon là, on se calme deux secondes. Putain. Ouais, mais c'est pas fini, hein, t'inquiète pas, ils vont bien nous rebalancer un dernier, scène. Je veux dire, à la fin, tout le monde a été déçu. Ça fallait s'y attendre avec Netflix. Hein. Vous allez pas nous mettre sur une putain de fin de ouf, quoi. Pourquoi l'autre, il crie. Tout ça pour ça, putain. Ah, mais toi, là-bas. Hein, si je te tue au loin, tu fermeras ta gueule. Toi, tu veux jouer à cache-cache, c'est ça? Mais débordé! Clouer le bec à celle-là. Ah ouais, bah encore heureux qu'il reste une mission. Mais là, il est une saison parce que là, nous mettre une claque comme ça sur la fin. J'ai cru qu'il allait m'équiper direct. Bon, je suis niveau 7, il me semble donc. Du coup, changement d'arme. Tac. Et ça, c'était quoi que je voulais tester celui-là. Ok, hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Ok, ça, ça va donner quoi? Ok, ça, c'est le même style d'arme que j'avais avant. Ok, nickel, nickel, nickel. Voyons voir un peu ces glandules en haut. Ok, là, il y aura de nouveau un piège à la con. Allez. C'est avec Trixie, putain, ça m'a achevé, mon gars. D'ailleurs, déjà, quand elle a demandé à Maisie, Keane, je sentais déjà la petite gouttelette arriver, là. Et quand elle a demandé à Lucifer, là, ça a achevé. Mais ouais, vivement la suite, quoi, parce que du coup, il y a tellement de questions encore, là, qu'on peut se poser. Déjà par rapport à Dan, quoi, je veux dire. Si j'avance, je vais me faire une. Hein? Ah, quand je vise bien quelqu'un, ça me donne du fric. Sinon, je perds du fric avec cette arme. Oh, les fils. Ah, les munitions, c'est mon fric. D'accord. Je vais arrêter de tirer avec. Pas mal le feu, j'avoue. Non, mais à la fin, j'ai pas kiffé non plus, mais... Je t'avoue que l'épisode 15, là... Wow, il m'a retourné le cerveau. La petite Trixie, là...
Alors, vendre. Ça, tu peux dégager. Nos choses à un prix. Toi aussi, toi aussi. Et après, ça m'étonne même pas hein, que Coco a lâché aller. Vends Marcus. Ah, putain, je dois répéter ça. On n'a jamais assez de santé et de boucliers. Achetez-en des autres. Il y a un bouclier là. Merde. La capacité elle est plus grande, donc on va prendre la capacité. Ok, du coup, on va continuer à monter. Dieu sait ce qui m'attend en haut. Ou plutôt en bas du coup. Wesh, mais je vise comme une bite. Par contre, cette arme elle est marrante, mais... elle me coûte un peu trop cher là, m'amuser gaspiller mon fric alors que j'en ai déjà pas. Je sais pas pourquoi ils l'ont buté, mais c'est ouf. Après, il aura pu faire tellement de trucs encore, lui. Ah ouais, donc c'est un mini-boss que je dois flinguer. Ouais, pas possible, pas tout seul, sinon ce serait pas drôle. Et aussi, tu veux des tirs dans ton cul, comment ça se passe? Oh, il est mignon ce petit... Là t'es mon mieux. Ton but c'est de faire quoi? De me faire danser là du coup? Je sais même pas où je peux aller ou je peux pas aller. Ok, là je pouvais pas aller, d'accord. Quoi? Ok, là j'ai le droit d'être ou quoi? D'accord, là j'ai le droit. Là j'ai pas le droit d'être. Il va me flinguer comme ça. Wesh, mais je capte pas où j'ai le droit d'être. Ça y va la musique ici, c'est la fête. Ouais. Oh, je savais que je trouverais la carte. J'ai failli me buter tout seul, on va. Je t'ai eu. Avec la carte, ouais. Tout ce trajet pour ta vie, t'avais très envie de me voir. Je savais pas que t'étais autant fan. Mais bon, t'as raté la fête. Ah ouais, j'imagine que tu te demandes. C'est quoi ce statut? Et toi, meurs. Quand? Oui, tu m'adresses encore, du coup. Dis-moi ça en face, Colas. Hein? C'est pas, hein? Oh, bah toi. Ok, du coup. Je savais que tu trouverais la carte, recrue. Rapporte-la-moi et surtout la lâche pas. Je l'ai perdue une fois. C'était une fois de trop. Je la lâcherai pas. Et pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des coffres à quelque part que je vais rater?
d'accord. Bon, une fois, il n'y a pas du fric dedans. Dix pognon. C'est affreux ce truc. C'est dégueulasse. Vaughn, tu sais à qui c'est, la tête dans le bocal? Oh, c'est pas possible! C'est Vic, mon adjointe en chef! Ma meilleure potasse! Chope sa tête! Ils ont dû l'interroger en réalité virtuelle. Tu sais, on faisait ça aussi chez Hyperion. Quand on attrapait un espion industriel ou quand quelqu'un se faisait piquer sa salade au brocoli dans la cuisine et que j'avais pas le temps d'en refaire. Enfin bref, Vic est coincé dans une salle de torture virtuelle. Faut que t'ailles la tirer de là! Genre, je vais tirer dedans. Personne de là. Tu veux que j'aille dans la tête? Ah, les descendants de l'Arche ont placé ces petites figurines immondes absolument partout. Tu sais quoi? On va donner une bonne leçon à ces faux dieux pourris et fabriquer nos propres idoles, à mon image. Ouais, excellente idée. Depuis ma mâchoire virile jusqu'à mes mollets galbés. Commence par récupérer mes avis de recherche. Tu verras, il y en a plein. Oh, dis-moi pas qu'ils sont là dans tes avis de recherche parce que tu peux les rater, mon gars. Comme ça, on pourra imprimer des figurines qui me ressemblent trait pour trait. Et ça, ça m'est avis que ça fera bien chier les Calypso. Je vais surtout aller voir lui, là. J'ai pas passé de comptable chez Hyperion, un chef de guerre bandit pour revenir à l'Arva. Et quand j'ai refusé de rejoindre sa secte des villes, Tyrine a collé une prime sur mon petit cul potelé. Et sur tout le reste aussi. Mais je suis toujours là, toujours chaud. Et même à grenade, connasse. Quoi là hein? Un claptrap là-haut? Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Je peux faire quoi avec ce machin? Et tombe pas! Remonte! Quelqu'un a pendu ce claptrap pour en faire un haut-parleur de fortune. Quelle barbarie! Nous ne sommes pas des haut-parleurs. Il avait un système audio surround Supermax Deluxe 3D. Les soirées de mon ami vont être exceptionnelles et peut-être même que les invités viendront. Les chiens sont potes, puis après s'emballer. Crétin de claptrap. Ouh, un coffre. Mec, 19$, là. Putain, quel manque d'horreur. Faudra peut-être éviter de tomber, c'est. Et on m'explique pourquoi j'arrive à monter là-haut, puis qu'il n'y a rien. Bref, allons voir Lilith, après je vais arrêter là. Pas un téléporteur par ici parce que j'ai pas envie de me taper du chemin retour. Allez, ça dégage. Première fois que je prends le téléporteur. Je m'en bats les couilles de ça. Voyage est fait. Attends, j'ai fait un voyage, j'ai éclair devant moi.
Vue orbitale, ça va peut-être aller mieux. Maintenant, normalement, je peux faire ça. Je peux faire station éclair. Non, c'est pas là. Bref, laisse tomber. Je regarderai ça hors machin parce que s'ils ont tout changé là, lentissant maintenant. Alors que ça fait quand même bientôt 3 heures de live. Putain. Ça m'avait manqué, hein, ces petits lives où je fais des let's play, puis qu'après faut faire le montage, machin truc, tout mettre sur YouTube. Po po po. Voilà, j'ai commencé à regarder une nouvelle série Rata. Je sais pas si t'avais vu. Je t'avoue qu'au début c'était nul à chier. Et la fin commence à partir en couille aussi, mais c'était intéressant le. Il y aura à partir de l'épisode 6. Oh putain! Là, je suis arrivé sur la saison 3 et je trouve que ça commence à être un peu bizarre, mais voilà. C'est la série Zoo. ZOO. Au début, ils m'ont perdu. Heureusement que j'étais sur mon tel à faire autre chose en même temps. D'accord. Récemment, je m'étais tapé aussi toute la série The Sand. C'était pas mal ça aussi. Alors, la fin très bizarre, mais c'était pas mal. Début, après c'est bof. Ouais, ça réussit, part en cacahuète. Éclair hybride et tout là. J'ai pas tout capté, mais bon. Alors, ma petite Lilith, elle est où elle est là-bas? Non, mais je voulais activer le turbo. Dang! En fait, alors, le turbo, c'est comment déjà? Faire le turbo, pas trop loin. Ouais, mais il y en a pas mal qui m'ont dit que c'était nul à chier les deux dernières saisons, mais vu que parallèlement ça me parlait déjà par rapport à Flash et Arrow, j'aurais dû sentir l'arrivée des DDA. Ça m'a pas dérangé T'en puisque fais c'est la pas fin pour de The moi, Sand. j'ai la panse bien remplie de viande de skag et un endroit bien chaud où dormir. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Bon alors, t'as vraiment la carte? Elle est entre de bonnes mains, Faucon Ardent. Les miennes, donc. Tu peux m'appeler Lilith. T'as la carte? Super! Alors, est-ce que t'as croisé mes éclipseurs? Et pourquoi tu sens la poussière et la peau? Ton clan a été exterminé par Tyrin Calypso. Je suis arrivé trop tard. Tyrin. Tyrin, putain, ça me fait penser à. J'avais tellement de choses à leur dire. Game of Thrones. Non, non, les éclipseurs ne pleurent jamais. Si Tyrin Calypso veut une putain de guerre, elle va l'avoir. C'est la guerre! Je savais que les descendants étaient dangereux. Mais c'est encore pire que ça. Au moins, t'as trouvé la carte. J'aurais jamais cru revoir cette carte un jour. Mais c'est plus qu'une simple carte. Ah, désolé Lily, tu te coupes le sifflet 2 secondes là. Voilà, une tête de plus. On s'en est servi pour ouvrir les autres arches sur Pandore. Toutes les arches ont besoin d'une clé. Bon, du coup, mon Bon, petit on va ratin, jeter moi un je vais te œil. laisser Ça là. fait longtemps. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir donné des nouvelles. Plaisir de voir que t'es vivant. Hein. Attends, je vais bouffer un truc, je vais regarder ma série, puis je vais faire le montage en même temps, ça va être le bordel. Elle est pas chargée. Attends, je m'en occupe.
Merde, ça marche pas. C'est pas normal. Je devrais pouvoir la charger. On a besoin d'aide. Il n'y a qu'une personne sur cette planète qui comprend la technologie iridienne. Patricia Tanis. C'est clair, c'est pour ça. Elle a un site de fouille de l'autre côté de la vallée. Apporte-lui la carte. Je te rejoins dès que je peux. Je dois m'occuper de 2-3 trucs pour notre vaisseau. Allez, bisous, bisous, à bientôt.